Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire d'un petit singe qui s'appelle Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, écrit et illustré par Galia Bernstein aux éditions Nathan. Leïla a une mère et un père. Et 9 tantes et 23 cousins. C'est beaucoup trop. Ils passent leur temps à l'embrasser et à lui faire des câlins. Brrr. Ils veulent tout le temps la nettoyer alors qu'elle n'est même pas sale. Scratch. Il n'arrête pas de parler, de faire du bruit, de s'agiter. Leïla voudrait juste faire la sieste. Alors, Leïla s'en va. Elle court jusqu'à ce qu'elle ne les voie plus. Elle court jusqu'à ce qu'elle ne sente plus leur odeur. Elle court jusqu'à ce qu'elle ne les entende plus discuter et chanter. Oh, c'est si calme. Elle est seule avec quelques cailloux pointus. Et un lézard. Je m'appelle Leïla, qui es-tu? Le lézard ne répond pas. Je me suis fait mal aux pieds, tu peux me faire un bisou magique? Le lézard ouvre un œil. Chut, dit-il, je suis occupé. Mais tu ne fais rien, constate Leïla. Je suis très occupée à ne rien faire. Comment est-ce qu'on fait rien? Eh bien, explique le lézard. Installe-toi confortablement. Tu ne dois pas bouger. Essaie de ressentir la chaleur du soleil sur ta peau, d'écouter le bruit des feuilles qui s'agitent dans le vent et celui des insectes qui bourdonnent. Et ne pense à rien du tout. Maintenant, ferme les yeux. Quand Leïla ouvre les yeux, le lézard n'a pas bougé. Le soleil, lui, est de l'autre côté du ciel. Tout d'un coup, sa famille lui manque. Il est l'heure de rentrer. Est-ce que je peux revenir faire rien avec toi de temps en temps? Demande Leïla. Bien sûr, répond le lézard en fermant les yeux. Je suis toujours là. Leïla fait demi-tour. Elle court jusqu'à ce qu'elle les entende discuter et chanter. Elle court jusqu'à ce qu'elle sente leur odeur. Elle court jusqu'à ce qu'elle les voie. Ils sont tous là, sa famille. Elle leur raconte son aventure. J'ai couru, couru, couru. Il faisait super chaud et l'herbe était haute. Et elle leur raconte sa rencontre avec le lézard. Il était grand, comme ça. Ses parents, ses tantes et ses cousins n'en reviennent pas. Oh, quelle aventure incroyable! Comme elle est courageuse! Est-ce qu'elle va bien? C'est alors que Leïla se souvient. Oh, je me suis fait mal aux pieds. Quelqu'un peut me faire un bisou magique? Ils veulent tous lui faire un bisou magique.
Cette nuit-là, dans les bras de sa maman, Leïla se fiche du bruit. Elle se souvient du soleil sur sa peau, du vent, des feuilles et des insectes. Elle se souvient du lézard qui lui dit de fermer les yeux et de ne penser à rien du tout. Maintenant, quand Leïla en a marre du bruit et de l'agitation, elle va rendre visite à son ami le lézard et il est toujours là. Et voilà, vous avez suivi les aventures de Leïla. Alors faites comme elle, fermez les yeux et ne faites plus rien. À bientôt les amis.